Ça, doucement. C'est joli, hein. C'est joli. Mmh. On n'aime pas. Je vous sais. On ouvre les co. Oh. Madame Maybo. C'est joli. C'est joli. Hello guys, like, c'est Karima et bienvenue sur Kanyarach. Vous avez vu le titre Fashion Hacks partie 2. Si vous n'avez pas regardé la partie 1, allez la regarder, abonnez-vous. Ok, ensuite le principe c'est juste en fait qu'on essaye ensemble les astuces que j'ai vues sur internet, que j'ai enregistrées, peu importe sur quelle plateforme, TikTok, Instagram, Pinterest, patati patata, et que j'ai jamais essayé. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, n'hésitez pas à essayer aussi, regardez cette vidéo d'abord. Ensuite, si vous voyez des hacks que vous aimeriez bien que j'essaye, envoyez-les moi. Donc aujourd'hui, il y a des hacks pour astuces. Ok, il y a des astuces pour les chemises, comment les crop, les attacher. J'aime bien les trucs comme ça. Si vous aimez pas, oh, pardon, faut aller à la truc suivante. Pour attacher des t-shirts, je pense aussi, il y a plein de trucs pour faire des nœuds, pour les languettes, bref. On va voir ça ensemble. Et il y aura aussi des hacks qu'on m'a envoyés. Donc, merci à Aurélie et à Marlène. Donc, je vais essayer les hacks qu'elles m'ont envoyés et le reste, bien sûr. Donc, petite parenthèse. Joyeux anniversaire. Là, on est en juillet. Et ça fait 2 ans que Kanyarach, genre que je poste sur Kanyarach. Et donc, voilà, je vous dire merci à vous. Merci beaucoup de Ratch. De regarder les vidéos, d'aimer, de commenter, de partager. Si vous le faites pas, faites-le, s'il vous plaît. Ce serait gentil. D'accord? Et voilà, ça me fait super, super plaisir parce que vous savez que c'est... Je pense que vous pouvez même le sentir. J'adore faire ça. Et le fait que vous regardiez, parce que si vous regardez pas, ça sert à rien que je mette en fait. Donc voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci. Bref, vous avez vu ça, vous connaissez le Hopkai. Voilà, il fait chaud. Sans plus tarder. On passe tout de suite à la vidéo. Bon, cette fois-ci, je vais aller un peu plus vite que la dernière fois et mettre plus d'astuces dans la même durée pour la vidéo, à peu près. Donc, voilà, je vais vous mettre vraiment les trucs que j'aime bien. Et puis, le reste, on va voir, quoi, voilà. Donc, voilà. Donc, je vous mets le hack sur la vidéo et... Voilà, il est là. En gros, la fille, elle aime l'arrière. Elle prend un serre-tête, certes que j'ai acheté à Auchan depuis je ne sais quand. Ok, elle fait un joli nœud. Oh, je vais le mettre de côté. Elle fait un nœud, comme ça. Et puis elle recouvre les bras. Ok. Après, elle met ça comme ça. Oh, yes. Et tu peux attacher, je pense, derrière. Yes, it's cute. It's cute. En plus, la soie pour les cheveux, on aime. Ok. On valide. Ce hack-là, c'est plus pour les nœuds avec tout ce qui est comme ça. Tout ce qui est languette ou encore maillot de bain. Truc comme ça. C'est la même chose de l'autre côté. Après, tu mets le bout là-bas. Et le bout là, ici, et quand tu le portes, au lieu d'attacher, tu serres comme ça. Bon, on va le porter et je reviens. Donc voici le haut, et à l'arrière, ça donne ça. Donc maintenant, j'approuve. Je sais pas trop par contre pour un maillot de bain. Je pense que je le supposerai quand même un peu plus, mais damn! Ok! Pour l'enlever, on glisse. Je pense bien. Pour l'enlever, on cherche les deux du truc là. On ouvre. Et boum. On valide. Donc voilà, là je reviens avec un t-shirt. Et cette astuce, c'est comment le crop sans attacher. Donc elle fait ça. Ensuite, elle fait ça.
au milieu. Maintenant, ça va. Il tient que je cache ça avec un chouchou bien serré. Ok. Donc, on a ça. Ça, c'est que je veux vraiment. Si je suis intelligente, je fais un petit jeu de genre. Et ensuite, ça, on fait rentrer ça en dessous. Donc, elle n'a pas montré derrière, donc on va freestyler ça. Oh, me gusta un poco más. Hola, ¿cómo t'allez-vous? So nice to meet you. Je vais au miroir. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Et ça, elle est bien serré. Mais le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre des trucs trop loin, trop écartés, parce que sinon, après, ça ne reste pas dans le chouchou et donc ça se défait. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et derrière, on peut ajuster la longueur. Donc, j'aime. Donc, une autre astuce avec les t-shirts, c'est on prend un lacet. On attache ça à la taille, comme ça. C'est bon, j'ai fait un double nœud. Et ensuite, la go, elle tire. Oh, that's cute! Là, je vais le voir derrière. Ok. That's cute! Yeah. Ah, j'aime bien. J'adore ça. Et avec ça, j'ai l'impression que c'est plus sécurisé que celui avec le chouchou. Donc, yeah. J'aime ça. Bon, pour éviter le truc de la dernière fois, là, je vais mettre le truc sur l'écran. Donc, pour l'instant, il faut que l'on l'a de Fugunda. Et les deux comme ça. Ensuite, on est juste censé attacher la chemise. Je peux pas rentrer le col. Sûrement. Donc, je peux rentrer le col. Problème, il démarre. Tata, voilà. Tata, il n'y a pas ni. Il est mélodie. Non, t'as pas dit. Ah, ok. Oh, oh, attention. Attends, je fais rentrer les boutons un peu. Sauf que cette chemise-là, si vous vous rappelez de la vidéo Freestyle 20 000 francs, là, elle est un peu asymétrique à l'avant, donc les nœuds sont pas tout petits. Faut que je... Bon. Bon, le nœud sera comme ça. Faire rentrer les boutons. Ok, faites pas attention au soutien. Ok. Par contre là, devant, il y a un petit problème. Oh, je sais c'est quoi. En gros, si je le porte vraiment, je vais vous montrer mon soutien, vous l'avez déjà vu. C'est celui de numéro 1 là. Le t-shirt bras de 2021, bref. Quand je vais le porter, par exemple, quand je vais faire ce hack, je vais prendre cette partie de la chemise. C'est parce qu'il y a un des côtés où, par exemple, celui-là, c'est bien plaqué. L'autre, il sera comme ça, en fait. Et c'est ça qui va couvrir. Donc, je vais prendre une épingle à nourrice et je vais bloquer comme ça, en fait, pour être sûr qu'il n'y ait pas de machin meilleur. Et c'est sûr que si j'avais une chemise plus longue, là, ça aurait caché mon soutien. Ou je fais comme le hack, dans le hack 1, je passe autour du truc de soutien et puis boum. En vrai, c'est joli. J'aime bien. Et le truc, c'est que là, moi, ma chemise, elle est comme ça, quoi, genre. Donc, il y a que les... Attention. Oh, cool. J'ai la flemme de... Et vous voyez le truc. J'ai la flemme. Mais... C'est joli, c'est très joli. D'accord, merci Marlène. Maintenant, vous avez vu, je pars de là et je vais faire l'astuce que Aurélie m'a envoyée. Sauf que cette astuce, c'est le même début. Qui est comme ça. Et on boutonne à l'arrière. Sauf que, I don't know, je ne sais pas si ça va marcher avec mes trucs. Bon, on va voir. On va essayer. Où est le col? C'est pas difficile. Pour l'instant.
Oh. Ok, je vois. Donc mes boutons s'arrêtent là, donc ça donne ça. Encore une fois, si je portais ça épingle à nourrice comme ça, pas de blême, on ne voit pas de blême. Et puis l'arrière, ça donne ça. C'est joli aussi, c'est joli aussi. C'est juste une petite gymnastique pour fermer les boutons. Si vous avez quelqu'un à qui demander de vous fermer ça, encore mieux. Et puis voilà. Merci Aurélie. T'as mon chemise bien là-dedans. Donc un autre hack pour les chemises, la go, elle ferme. Normal, genre. Mais relou. Elle manque de vrai. Bon, on va dire, elle boutonne juste ici. Ensuite, moi je vais plier ça comme ça, parce que sinon c'est pas joli. Je pense qu'elle a fait ça, mais ensuite elle fait ça. Ok. Et puis, chouchou. Je vais attraper les côtés. Chouchou pour un jump. Voilà, donc ça donne ça. C'est déjà joli. Et ensuite, le bout, en fait, on essaie juste de le cacher. Donc, j'essaie de le faire rentrer, de le passer genre, un peu sur les côtés comme ça. Donc, le dos, ça donne ça. Le côté, ça donne ça. Et je pense que plus la chemise est longue, plus là, ça va être gonflé. Parce que si vous avez vu la vidéo de la fille, ici, c'est bien gonflé, quoi, genre. Et c'est pas forcément le look que je cherche, mais j'aime bien ce petit V. C'est joli! C'est joli! Regarde au miroir. Et c'est joli. Je me vois. Je ne vais pas prendre une photo tout à l'heure sur Instagram, comme ça. Et c'est joli, c'est très joli. Voilà. Mon nez pour oublier aussi, bah, guénère du bini. Ouh! Bon. On like. Oh, et j'ai vu un autre truc, c'est un peu la même base, sauf que la fille n'a pas mis de chouchou. On change le chouchou. Et elle a mis ça dans la... J'en ai même pas. Est-ce que ça va? Bon, je vais vous mettre la vidéo. Si vous voulez essayer, vous essayez avec ça. En gros, elle a mis ça dans les braquettes du... Dans les braquettes. Dans les passants de ceinture. Donc en gros, une fois que c'est comme ça... Il y a un passant ici, on fait passer ça sous le passant comme ça, on fait rentrer ça comme ça. Donc derrière, c'est un peu plus truc que l'autre où c'est en haut. En gros, ça permet d'avoir le dos un peu plus long. Ça. Et elle a fait autre chose, non? Voilà, avec le def. À criss-cross, on a essayé ça la dernière fois. Donc voilà. Donc ce hack, c'est pour les cardigans. Vous allez me dire, Coralie, il fait super chaud. Pourquoi cardigan? Parce que c'est un truc pour le crop en gros. Et qu'en plus de ça, j'ai tout le temps froid, donc la nuit, la moelle et l'eau. Donc au lieu de le porter comme ça, on le porte à l'ouvert. Genre. Ni. Voilà. Ni rien que sur le ni. Et où mes cheveux? Ok. Donc ça, ils sont là encore. Et après, on place ça comme ça, genre. Et c'est joli, c'est chaud. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien. Tu vois l'arrière? Bon! L'arrière. Ah, ah. On peut l'arranger, on peut arranger ça. Bon, j'aime bien. Peut-être couper ça, hein, quand je vais le faire. Les trucs là, mais mais bon, voilà. Et je pense que si j'ai envie de fermer, je prends ce bouton là. Oh, attention. Ah. Ok, ok, j'aime, je valide, je valide. Bon, on va essayer. Les noms qu'on a fait, non, ça c'est le last, by the way. Attends, attends! Ani. Ok. Maintenant, vous avez vu la vidéo. Tac là, élastique. Légui, elle prend le foulard. Ah.
Ça, doucement. Doucement. Ok, j'ai attaché, après ça. Je passe en dessous. Ok, comme ça. Ok, comme ça. Et voilà, je suis là. Ah, et devant là. Oh! Ok, d'accord. Ensuite, on fait un nœud et puis on a un haut, mais genre sans dos. D'accord. D'accord, tata. Doucement. Sauf que c'est un haut sans dos, c'est un haut sans soutien. Donc, tata, excuse-moi, mais. What you mean, quoi? What you mean? But this is cute. Pour une photo, sans problème. Mais je sortirai pas comme ça là. J'aime le risque. J'aime le risque d'être. Mais. It's too risky for me. Thank you, but. No. Donc derrière, il n'y aura que le truc là que tu as attaché. Donc, ce serait bien de mettre le nœud genre là, au niveau de l'aisselle. Comme ça, on le voit moins. Ou même là. Comme ça, il dérange moins. Et puis, voilà quoi. Est-ce que j'enlève le haut? Comme ça, vous voyez vraiment. Donc, voici le haut. En vrai, j'adore. Mais comme j'ai dit, pour une photo, il n'y a pas de souci. Pour sortir comme ça, parce que là, franchement, vous voyez, c'est mes raisins qui bougent comme ça. Il n'y a rien. J'ai mis le nœud en dessous de mes seins. Comme ça, il ne sort pas ici. Et puis voilà quoi. Franchement, pour une photo. Donc, un autre truc avec le foulard. J'ai attaché deux fils comme ça au bout. Et je vais vous. De toute façon, je vous ai mis le tuto. Ma fille, elle fait ça. Voilà que j'ai arrêté. Ok, ok. Tu souffres. Le fourni. Il souffre le fourni. Jusqu'où il est fini. Le fourni. Ah, mon foulard est trop petit. Il faut un foulard assez large par contre. Parce que sinon ça donne ça. Et il faut bien attacher son fil. Mais pour ce que je vois, c'est un truc grave possible. Il faut un long foulard et il faut bien bien attacher les machins là sur les côtés. Donc voilà. Et ça a l'air joli en plus. Attendez, j'attache encore, on va voir. Mais ça a l'air joli. Voilà ce que ça donne. Et dans le dos, ça donne ça. Bien sûr, si vous avez des languettes un peu plus longues, vous pouvez faire le criss-cross comme elle, ce qu'elle a fait. Genre ramener devant, sous le truc et ramener derrière. Donc on a des fils partout. Et si vous avez la même couleur que votre foulard, ce serait encore mieux. Mais j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Il faut juste que je trouve un foulard assez... En soie bien sûr, parce que j'aime bien la soie en fait, ça fait un peu plus chic-choc. D'accord, en soie. Ou j'achète de la soie. On peut acheter de la soie au. Yo, vous êtes à l'aide. Oh! Marine, mais bon, vous devez faire une langue avec ça. N'y a pas de rien. De rien. Donc essentiellement j'ai vu une astuce en fait pour les shorts trop grands, comment machin, tailler toute seule, machin. Et si vous avez marre de voir ce foulard moi aussi, parce que j'ai la flemme d'aller chercher un autre, donc vous allez faire avec. Voilà. Donc si vous rappelez la vidéo numéro 1, ça c'est un short trop grand. Donc on va voir la fille, elle plie son foulard. Il plie. Ensuite elle met à l'arrière, genre juste de là. Le côté de là à là, on passe par le milieu, après elle fait de l'autre côté, après tu vois, bon, après elle tire comme ça, tire bien et elle attache, ça fait genre quoi, vous voyez, est-ce que vous voyez, comme genre, est-ce que vous voyez, lini. Il y a une autre chose qui est en train de se faire. Ça ne marche pas. On n'aime pas. Cette astuce, cette fois-ci, c'est pour les robes un peu trop larges derrière. Quand ici ça baille un peu. Et on utilise épingle à nourrice au niveau de la taille qu'on met au niveau de la couture ici. Après elle prend un élastique
Et oui, j'ai porté la robe à l'envers. On serre bien comme ça. Et un nœud. Maintenant, je vais l'enlever et je vais la porter à l'envers et on va voir. Je vais pas couper la vidéo, comme ça au moins vous allez entendre ma réaction, comme vous pouvez pas la voir. Oh! Oh oh! Oh oh! Ça fait beaucoup de bling. Donc je place la robe sur moi. J'ai une petite idée de où ma taille se trouve. Je mets les épingles à l'envers là-bas. Oh my god! Ça fait beaucoup de la moyenne. Ok, j'aime pas trop ce truc parce que j'arrive toujours pas à la porter. Là, je l'ai fait passer au-dessus de ma tête. Affaiblissement. Et j'ai peur que le truc me pique. Il faut que je fasse attention. Voici la robe avec l'élastique à l'intérieur. Il est là. Et je vais mettre une juste position avec le truc qui sent. Mais c'est joli. J'aime bien parce que je connais cette robe. Je l'ai portée à Rio et c'était, je sais qu'elle est lâche, mais là le truc c'est que j'ai mis ça au niveau de la doublure, donc là ça joue pas vraiment. Je pense que c'est juste le fait que ça là s'est rapproché, mais que j'ai mis ça sur la doublure, oh lol. Ouais, c'est encore moi. En tout cas, je me sens mieux et je pense que c'est parce que l'élastique contre moi, genre, et j'ai l'impression que le truc tire mieux. Peut-être ça tire plus vers l'avant. On va l'enlever, voir s'il y a une différence. Mais je me disais bien que je sentais ça serré, mais c'est parce qu'en fait l'élastique est serré au niveau de ma taille. De intelligente. Je suis fatiguée. Donc voici la robe. En vrai, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est peut-être parce qu'il y a une doublure à la robe et au niveau de la couture. Quand j'attrape sur la couture, ça attrape plus le truc qu'autre chose. Je sais pas, mais ça n'a pas beaucoup changé. Donc voilà, le dernier hack. Et cette fois-ci, c'est encore avec une robe. Et le principe, c'est de prendre un bracelet, un gros bracelet comme ça, le mettre à la taille, mais à l'intérieur, enfin, à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de pony. Donc, à l'extérieur, au niveau de la taille, toujours. Et puis, on fait ça, quoi. On fait un bon. Avec quelque chose de mon de gueule. Là, on a une salade mouille d'une fille. Comme ça. Maintenant, je vais le mettre à l'endroit et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Je dirais que c'est pas super confortable d'avoir ça ici. Mais c'est joli. C'est pas vilain. Ça crée ce petit effet machin là derrière. Donc c'est pas vilain. Je vois sur les côtés. Est-ce qu'on a gagné un truc? Vous me direz. Et voilà. Ah, la longueur en bas. Est-ce qu'on a attrapé aussi? Même la longueur elle rentre un peu au milieu. Vous voyez ce que ça fait? Non. Vous avez vu sur les côtés. Ah, mais vidal, ça donne ça. Vous n'allez pas aimer. Donc, non, merci. Non, merci, mais. Ok. Au moins, on garde ça en tête, quoi. On sait jamais. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des astuces comme ça que vous voulez que j'essaye, n'hésitez pas à me les envoyer en DM, etc. Ou mettez le lien dans les commentaires sous cette vidéo-là. Je suis là, je suis dispo et je peux essayer, il n'y a pas de souci. Encore une fois, joyeux anniversaire. Ah, en plus, on est bientôt 1000. On est bientôt 1000. S'il vous plaît, les gens, partagez. Si chacun de vous envoie cette chaîne, partage cette chaîne, le machin, à une personne, vous êtes sûr que la personne va aimer. That's the point. That's the whole point of it. Ok? Donc, partagez au moins avec une personne. Et puis, ce gars, Kailin, you're gonna rat. Ah, je suis contente, hein. Si vous êtes content aussi, aimez cette vidéo. Au moins qu'il y ait un peu plus de 50 likes, quoi. Parce que vraiment, vous, des fois, vous déconnez. Vous êtes mes amis, mais des fois, vous déconnez. Ah! Donc voilà, c'était tout. Bye guys. Vous, quand j'ai fait deux. Bye guys. I'm already sweating off these edges. Like the fuck. DF. Regardez-moi ça. C'est en train de.
J'ai pris mon temps pour faire des edges, wesh. Vous allez où? Oh, cette chaleur. Oh, I'm flashing you. Big boobs, you know. Bonnet eux.